Ah, voilà, j'ai fini, vous voyez. Si vous avez voilà. Faut que ça ressorte comme ça. Et en dernier, en fait, je l'ai repassé comme ça. Je fais comme ça, sans trop appuyer. Et après, vous allez vite, ça me prend plus comme ça, ça va plus vite, c'est tout. Voilà. Et pour voir si vous avez bien travaillé, si je peux dire. Regardez comme ça, en fait. Voilà. Là, ça jaune partout. C'est bueno comme dirait l'autre. C'est ça qu'on appelle passer au marbre, en fait. C'est pour bien aplanir, que ce soit bien bien plat partout. Et enlever, vous voyez, tous les dépôts qu'il y a, quoi. Bon, il restera toujours un peu, vous voyez. Mais déjà, là, elle est parfaite. Alors après, pour le nettoyer, c'est simple. Bon, ça, vous direz forcément, le truc en caoutchouc, là, vous l'évitez. Et deux solutions. Alors, soit vous le passez à l'eau très chaude pour enlever. Je vais vous montrer la lumière. Pour enlever, vous voyez, tout le dépôt, là, comme ça. C'est ça, en fait. C'est ça, vous voyez. C'est tout ce que. C'est la limaille en alu, en fait. Donc ça, à l'eau chaude, vous le nettoyez bien, pendant le repas. Là. Je pourrais faire. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait. Là, toute la limaille qu'il y a là, voilà, à l'eau chaude ou à l'essence, c'est très bien, vous laissez sécher. Donc ça, c'est fait. Alors attendez, maintenant je vais vous montrer le reste. Et du coup, voulais me faire celui-là aussi. Mais les joncs là, je pense que ça fait un moment qu'ils sont dedans. J'ai pas voulu forcer. Ils sont bloqués à l'intérieur. Du coup, même opération. Hein. Alors là, le but, il va être encore plus simple. Juste de passer vite fait comme ça dessus. Vite fait. Le rendre lisse, quoi. Et là, par contre, je peux y aller tranquille si je suis là. En plusieurs fois, c'est pas grave. Vous voyez, ouais. Donc là, vous passez juste sur les bords pour enlever tout ce qui reste de joint. Vous carnisez pas sur un côté, sinon ça va vous boucher. Ça vite fait de la luge. Ça se fait assez vite. Hein. Vous appuyez pas trop non plus. Vous passez comme ça. C'est juste pour enlever en fait le reste de dépôt de joint qu'il y a eu et tout le reste. On fait tout le tour. Ah, c'est un peu chiant, mais. Pour ceux qui connaissent c'est quoi le mordeur, Arnaud, il y a un dicton. Je vais faire bien faire les choses, pardon. Faut pas hésiter à prendre le temps qu'il faut. Et là, du temps, j'ai envie de dire, on en a. Hein. Bon, après, pour simplifier la vie, vous prenez ça. Pour enlever la rouille qu'il y a sur le joint. Ben, c'est un truc de cage, mais bon, j'appelle ça un bon. Faut que votre carter se cale bien. Dans le calage, vous faites ça comme vous voulez. Voilà. C'est bon. On continue. C'est le mieux quand il n'y a pas ça en fait, c'est de prendre une grande toile à mairie et le passer comme ça. Comme on a fait avec la pipe en fait. Pareil.
Alors pour ceux qui demandent genre sur Facebook, machin, quoi, pourquoi je donne pas de nouvelles, je suis un peu occupé en ce moment, quoi. Donc je m'en voulais pas. Surtout rester bien à plat dessus, n'allez pas arrondir les bouts au fond, vous voyez. Qui vont être plus chiants que d'autres, hein. Faut prendre le temps, quoi. Bien rester à plat dessus, surtout pas l'arrondir ou vous voyez, quoi. Un truc, vous allez vite le voir parce qu'en fait je vous montre là comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça, vous allez mieux voir. Je vais faire comme ça. Voilà. En fait j'enlève, vous voyez, tout ce qui est comme ça là. Et quand vous poncez, il faut que ce soit comme ça. Et vous touchez, il faut que ce soit bien bien lisse. Comme ça, quand vous allez poser votre joint, il n'y aura pas de fuite, quoi. Il adhérera bien. Vous pouvez même mettre, ça je sais, lors du montage, parce que mon père veut monter les clients. Je vais voir comment ça se passe. Et ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est prendre votre joint. Il y a qui fait ça aussi? Il y a Fan de Mob, il y a une chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, c'est pas mal. De toute façon, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, quoi qu'il arrive. Et en fait, vous prenez votre joint carter moteur. Vous prenez mettez un peu de pâte à joint sur vos deux doigts et vous passez tout le tour du joint comme ça. De bonne étanchéité, et de deux, ça évite à fond tout ce qui est fuite. Et une sécurité en plus, quoi. De toute façon, ça, moi, je le fais déjà pour tout ce qui est joint de clapet, pipe, machin, tout ça. Ça évite tout ce qui est fuite à la con, quoi. Enfin pas fuite mais prise d'air, quoi. Une sécurité en plus, quoi. Donc là, quand vous venez, et que ça devient un peu vous voyez, chromé comme ça, vous arrêtez, quoi. Ça va rien aller plus loin, quoi. Pour deux raisons, ça va vous déformer le carter sinon. Et bon, enlever la matière c'est facile, en rajouter c'est plus chiant, quoi. C'est faisable, hein, mais à l'été ou comme ça, mais c'est une régalère, quoi. Et il y a toujours moyen, de toute façon, qu'il arrive. Et... Pareil, une fois que vous avez fini ça, il faut les nettoyer. Hein. Faut pas laisser ça comme ça, quoi. Donc, je vais continuer. Ça en a combien? 8 minutes. Putain, je vais avoir trop de vidéos là-dessus. Là, je continue. Alors là, on risque de faire comme l'Italie, en fait. On va être obligatoire de porter des masques pour toute sortie. Et on va avoir des amendes de jusqu'à 600 balles si on n'a pas quitté le masque. À mon avis, ça c'est plus une histoire de thune. Au lieu de commander les masques à d'autres pays, on aurait mieux de les fabriquer nous-mêmes. On a l'usine pour ça en plus. Là, ça fait du boulot pour en France, déjà. Vous allez les commander chez les Chinois. Ah bon. C'est mon avis personnel, quoi. Après, on va continuer comme ça. Après les bords, si vous n'êtes pas content, en fait comme ça, bah, c'est plus long, mais